Maria, bonsoir. Les amis sur Facebook, bonsoir. Bonsoir, Coco. Salut Hélène, Nativité. Merci à tous de vous connecter. J'étais pas super en avance ce soir, 17h58. Salut Johanna. Oui, le sapin. Ouais, il est joli, hein, j'avoue. Sophie, bonsoir. Jessica, coucou. Christine, bonsoir. Je vous laisse arriver progressivement, mais malheureusement, je suis un peu en retard ce soir. Il est déjà 17h58. Christiane Paco, bonsoir. Salut Manu. Anne-Cécile, bonsoir. Nadia, Virginie, Karine. Claire. Coucou à tous, John, Lynn, Sylvie, Mireille. Allez, il va être 17h59. En même temps, ça nous laisse juste une petite minute avant de pouvoir démarrer. Je vais faire quelques réglages. Bonsoir Serge. Alors ce soir, c'est très simple, hein, ça va être une routine, ça veut dire 8 exercices que l'on va mettre bout à bout, avec évidemment des options, toujours pareil. Et après, à vous de choisir le nombre de répétitions selon les exercices. Ça peut être parfois 5, parfois 8, parfois 10, parfois 20. Vous êtes seul juge de ce que vous pouvez faire. De toute façon, je sais que vous êtes suffisamment responsable et engagé pour savoir à quel rythme bien travailler. Bonsoir Valérie, salut Agnès, Charlène, non Christine, Christiane, je ne vois plus rien, je suis désolé. Sylvie, Lynn, Brigitte, bonsoir. Irène, coucou, Muriel. Claude, bonsoir. Cécile, Chris. Oh, Christine, Christophe, ça fait quelques jours, j'ai l'impression, non? Carole, bonsoir. Valérie, bonsoir. Quelle heure est-il? Il est 17h59. Allez, ça monte, je sens. Les athlètes rentrent dans le stade. Salut Valérie. Bonsoir Pascal, bonsoir Maria, bonsoir Cathy. Allez, ça y est, il est 18h, on va pouvoir démarrer. Donc s'il y a des premières fois, bonsoir. Bonsoir, bonsoir et check. Allez. Je vais essayer de ne pas me mettre dans le sapin. On va faire l'énième décoration. La décoration trop, ça serait dommage. Allez, on va partir tranquillement. Vous allez bien écarter les jambes. Vous allez redresser le buste, serrer bien les abdos. Pensez à relâcher vos épaules. Et vous allez simplement enrouler les épaules. Voilà, prenez le temps. Inspirez tranquillement. Expirez bien. Donc une demi-heure. Avec une routine plus ou moins cardio renfo et un quart d'heure de stretch à la fin pour bien se détendre. Allez, essayez de prendre conscience de votre posture, essayez d'engager vos abdos, pensez à votre périnée. On va partir, si vous le voulez bien, avec les deux bras devant. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un grand cercle avec le bras droit, puis un grand cercle avec le bras gauche, et ensuite vous montez les deux bras et vous revenez au point de départ. Bras droit, bras gauche, et les deux bras qui montent. Inspirez, essoufflez. Encore. Inspirez, inspirez, soufflez, encore deux fois. Les deux qui montent. Une toute dernière fois. Allez, ne précipitez pas, essayez de bien tourner les épaules si vous le pouvez. Inspirez et soufflez. Très bien, vous placez les mains au niveau des hanches, petit cercle de taille. Bon, ben, c'est toujours les mêmes mots, hein, mais les choses se répètent. Je suis très heureux de vous retrouver chaque soir. On arrive à la fin de notre challenge. Si vous avez joué un tant soit peu le jeu au niveau diététique et si vous vous êtes bien engagé, je suis convaincu que vous avez des résultats. Allez, changez de côté. Et si ce n'est pas que esthétique, en tout cas, en termes de bien-être, de bonne santé, je suis sûr qu'on a fait le job. Et pour certains, déjà depuis presque 10 mois. 10 mois de confinement. Truc de fou. Parfait. Allez, 3, 2, 1, je viens vous prolonger, mais cette fois en effectuant des cercles de hanches. Voilà. Alors, il y a le cercle de hanches, c'est un objectif. Et puis, il y a le maintien de la posture, c'est un autre objectif. Essayez de ne pas vous affaisser sur les appuis, grandissez-vous au maximum. Essayez de sentir que les abdos participent bien au mouvement. Les bras vous servent dans l'équilibre. Encore une fois. Parfait, on redescend dans les jambes. On stabilise les mains dans la tête. Vous gardez les coudes à distance. Vous stabilisez si possible votre bassin. Vous faites en sorte de ne pas relâcher votre dos.
la poitrine, les pecs en avant. Et rotation à droite et à gauche en essayant surtout de sentir voilà, les abdos qui créent le mouvement. Allez, je souffle au moins sur 3, j'inspire sur 1, voire 2. Expirez, expirez, expirez. C'est important de bien privilégier l'expiration. Donc là, pas de consigne particulière. Je pense que ça reste des exercices accessibles pour tous. Allez, 10. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. Vous partez avec les bras en haut ou devant ou les mains à la taille. Ça, c'est vous de choisir. Et vous faites monter genou droit, monter genou gauche. Et associez bien les bras à chaque flexion de hanche. C'est-à-dire à chaque fois que le genou se lève. Allez, je souffle. Allez, soyez fort dans les postures, hein. C'est important, essayez de bien contenir la bonne position. Sentez en même temps que vous avez ce maintien, vous avez cet engagement musculaire. Allez, deux fois, et la dernière fois. Parfait, vous avez l'habitude. Soit vous commencez ce soir, soit vous devez minimiser les impacts. Et dans ce cas-là, step touch en descendant bien dans la jambe, à vous de choisir le rythme. Soit vous mettez en tee sur saut. Allez, on active un peu. Très bien sur les bras. Ensuite, on va transformer un tout petit peu. On avance. 8 petits pas en avant et 8 petits en reculant. Ce que l'on peut faire également en marchant. Hein, ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on recule. Voilà, vous travaillez sur la notion de profondeur. Jouez un peu sur l'espace. Encore deux fois. Hop. Allez, sentez bien le genou qui s'élève. Le plus important, c'est pas de faire la série, parce que ça, je sais que vous allez le faire. C'est comment vous allez le faire et par rapport à votre niveau. Reprenez les petits sursauts. On n'a pas tous le même âge, on n'a pas tous les mêmes capacités, mais on participe à la même séance. Et ça, c'est du bonheur. Allez, soufflez. Descendez bien. Activez les bras si vous pouvez. Si vous n'arrivez pas à coordonner, si les bras vous gênent, vous passez au niveau des hanches. Je sais qu'il y a des très jeunes qui font la séance et je sais qu'il y a des personnes plus âgées. Et ça, c'est cool. C'est-à-dire qu'on partage tous le même mouvement, le même moment, mais le même engagement surtout. Allez, pour finir, vous embarquez le talon sur la fesse 10 fois. Pensez à bien serrer les abdos. Allez, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et parfait. Je vous invite. Le check, celui-là, il est inévitable. Ça, c'est celui qui nous donne de la force, en tout cas à moi. Je vous invite à boire un tout petit peu, même si vous n'avez pas soif, mais hydratez-vous un peu. Et on va commencer donc l'enchaînement et la routine. Alors, on va démarrer avec des options cool, surtout sur la première rotation, le temps de bien se familiariser. Vous allez partir, je vais vous donner quatre options. Option, je débute ce soir. Vous partez pied parallèle, pointe de pied un tout petit peu orienté vers l'extérieur, légèrement. Vous mettez les quadris en tension. Vous engagez les fessiers et vous vous concentrez sur le dégagé à droite, à gauche. Voilà, c'est déjà un travail au niveau des cuisses. Ça vous permet de commencer et de vous familiariser progressivement. Niveau 1 toujours, mais niveau, je veux prendre de la force. Vous allez effectuer un squat, même transfert à droite, à gauche et vous remontez. Là, c'est si vous ne voulez pas perdre de poids et gagner en muscle. Hop, hop, et on remonte. Parfait. Niveau 2, un squat, vous remontez, un jack. Squat, on monte, jack. On rappelle bien sur le jack, les genoux, les points de pied tournés vers les extérieurs. Niveau 3, vous enchaînez deux exercices, mini jump en avant et jack. Mini jump et jack. Allez, on démarre. 3, 2, 1, go. Allez, si vous êtes au niveau 3 sur le squat, attention à ne pas laisser les genoux filer en avant. Orientez plutôt les fesses de l'arrière comme si vous alliez vous asseoir. Voilà, pas d'impact lourd à la réception. Amortissez bien par les cuisses. Checkez le transverse. Checkez le périnée. Checkez la posture. Et soufflez bien. Ok, niveau 1, vous pouvez vous arrêter là. Et dans ce cas-là, vous simulez la corde à sauter ou le petit pas à côté. Vous pouvez vous arrêter là également, ça fait 15. Allez, 3 fois pour ceux qui le peuvent. Dernière fois. Et on ramène. Parfait. On récupère. On prolonge l'expiration. Deuxième exercice.
Pareil, vous commencez ce soir, les pieds bien parallèles, vous serrez les abdos, lâchez pas votre dos et vous dégagez droite et gauche. Ça, c'est niveau 1 si vous commencez ce soir. Niveau 1 plus, vous effectuez une fente en arrière. Lorsque vous descendez, essayez de bien descendre avec le genou arrière près du sol. D'accord ? Niveau 2, fente. Puis vous déportez sur l'autre côté. Hop ! Et transfert du poids du corps. Niveau 3, avec un jump. 3, 2, 1, c'est parti, go ! Allez, cherchez à bien souffler. Ça fait 10, vous pouvez vous arrêter. Essayez de travailler avec les bras si vous pouvez dans l'équilibre et dans le transfert. Encore 4, 3, 2. Parfait, on récupère. Prolongez l'expiration. On continue. 3 exercices. Là, vous levez le genou, travaillez votre attitude. Belle attitude. Niveau 2, vous commencez à faire un petit footing en essayant de sentir la brièveté des appuis. Et niveau 3, jog athlétique. Allez, c'est parti. Allez, prolongez l'expiration. Essayez de ne pas subir les à-coups. L'énergie, vous la renvoyez vers le haut. Activez bien les bras. 10 secondes. Bon, ça, même en marchant, vous pouvez le faire. 5, 4, 3, 2, hein, on récupère un tout petit peu. Je redescends un peu. Niveau 1. Pareil, vous allez travailler cette fois en soignant les transferts. Vous faites un quart de fente à droite en orientant bien le bassin des épaules de 3 quarts. Lorsque vous changez les pieds, vous faites le même transfert de l'autre côté. Essayez de sentir qu'à chaque fois où il y a le déplacement des pieds, il y a de la mobilité pour ne pas forcer sur les articulations. Niveau 2, avec un petit sursaut. Niveau 3, c'est comme si vous alliez ramasser du sable. Hop, on va chercher vers le sol et on descend bien par les jambes et non pas par le dos. Prêt ? 3, 2, 1, c'est parti, go ! Allez, ça fait 10, vous pouvez vous arrêter. Encore 2. La dernière, et on relâche. Parfait, récupérer. On va prolonger. Si vous ne pouvez pas faire de pompe, si vous ne pouvez pas être en appui sur les poignets, ou si vous ne pouvez pas être en appui sur les jambes, peu importe, vous allez partir debout ou assis. C'est pas gênant. Vous partez avec le pied droit, les bras devant, vous inspirez, vous repartez en extension, vous montez les bras, et petit cercle en haut, et vous revenez. Tirage arrière, on remonte, et on fait le cercle. Niveau 1. Vous descendez tranquillement et vous soufflez. À vous de choisir 8, 10, 12 ou 15 pompes. Niveau 3, 2, 1, go. Allez, serrez bien les abdos, c'est important. Ça fait déjà 10. Une dernière. Et top. On poursuit. Vous allez stabiliser. Si vous ne pouvez pas, niveau 1, je continue dans les options. Premier niveau, vous commencez ce soir. Ce que vous faites, c'est vous placez les mains sous les fesses ou les mains dans la tête et vous faites du biking. Voilà. Pour stimuler les abdos. Pour le niveau 2, vous restez en position sur les mains. Vous ramenez un genou vers la poitrine, vous soufflez. On inspire, on souffle. Niveau 3, le changement de rythme rapide, le clean burst, un peu plus en dynamique. 3, 2, 1, c'est parti, go. Et essayez de ne pas donner d'un coup sur le dos, ni sur le bassin, pas ça. Contrôlez bien, repoussez bien le sol et prolongez l'expiration. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, good. Cette fois, je vous invite à tous partir sur le dos. Allongez-vous. On poursuit. Niveau 1, vous placez les mains sous les fesses, vous gardez la tête au sol, vous ouvrez les jambes, vous inspirez, et vous remontez, vous soufflez. À vous de garder les jambes plus ou moins tendues, c'est pas un souci. Niveau 2, vous mettez les mains à la tête, vous faites 10 fois les jambes à la suite, et au bout des 10, vous pliez un peu,
Et c'est avec les épaules que vous montez 10 fois. Niveau 3, vous associez les deux en même temps. Ouverture des jambes. Et quand vous resserrez les jambes, vous montez avec les épaules. Allez, go. Allez, n'allez pas trop vite. Employez bien les muscles. Sentez le bon contrôle. Ça fait 10. C'est déjà un premier objectif en soi. Allez, il en reste encore 5. Après quoi, je vous demanderai de prendre le temps, mais de vous remettre debout si vous le pouvez. 3, 2, 1. Parfait. Maintenant, si vous avez besoin de prendre plus de temps pour remonter, arrêtez-vous sur cet exercice-là. Faites l'impasse sur le dernier exercice. Parfait. 8e exercice. Niveau 1, toujours pied parallèle. Vous descendez et vous faites un travail de flexion-extension avec les cuisses en faisant tourner les bras. Voilà. Niveau 2, pareil, avec un petit appui à droite, à gauche. À vous de choisir s'il y a un petit sursaut ou non. Niveau 3, avec plus de fréquence. Allez, 3, 2, 1, c'est parti, go. Ça fait 10, on peut s'arrêter. Essayez de bien amortir dans les cuisses et essayez de préserver un dos droit avec les abdos et le périnée. 6, 5, 4, 3, 2. On reste actif dans la récupération. 10 petites secondes. Ça peut être ça. Restez au contact. Hein. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. Vous avez l'enchaînement complet. Bing et bing. On souffle un petit peu. Vous pouvez vous hydrater. Alors cette rotation-là, on vient de la faire une fois. Il est 18h15, c'est-à-dire qu'il nous reste un quart d'heure. J'aimerais idéalement qu'on arrive à la placer deux fois correctement. Allez, c'est très statif. Alors ce qu'on vient de faire, c'est le plus lourd. C'est la première, c'est la mise en tension, c'est la démonstration, c'est la familiarisation. Il faut que le corps s'adapte, il faut que ça imprime au niveau de l'esprit. Et on n'a pas le corps complètement, complètement réveillé. Maintenant, celle-là, elle va être beaucoup plus facile, vous allez voir. Ah. Allez, stabilisez, switchez les pensées, switchez les craintes, inspirez. Soufflez. I'm an athlete. Encore, inspirez. Enfin, c'est I'm athlete. Et soufflez, go. Parfait, on se remet en mouvement. Donc, vous vous rappelez le premier, niveau 1, recherche de prise musculaire. Niveau 2, niveau 2 réel, c'est un squat, un jack. Et niveau 3, c'est les deux en mouvement. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti, go. Prenez soin d'orienter les pointes de pied vers les extérieurs. Ça fait 10, vous pouvez vous arrêter là. Vous pouvez aller jusqu'à 12, jusqu'à 15, jusqu'à 20. Vous êtes libre. Allez, 4, 3, 2, une dernière fois. Ok, top, on récupère. On poursuit avec la fente, rappelez-vous, niveau 1, niveau 1 plus fente, niveau 2 avec déplacement, niveau 3 et propulsion. 5, 4, 3, 2, 1, allez, c'est parti, go. Cherchez à bien souffler. Activez bien les bras pour l'équilibre. On est presque en 18, 19. Et c'est parti, la marche, le footing ou genou athlétique. Go. Et je prolonge l'expiration. Allez, serrez les abdos. Voilà, laissez pas les fesses derrière. Check au niveau des abdos. Activez bien les bras. Vous sentez que c'est limite. Redescendez un peu. Trottinez. Ou marcher, mais ne vous arrêtez pas. C'est là que vous travaillez avant tout.
10 secondes. On va ramasser le sable, vous vous rappelez? 2, 3 quarts, 4, 3, 2, 1. Soit ça, soit avec le sursaut, soit en descendant avec la main. 3, 2, 1, et go. Ça fait 10. Ou vous ralentissez, ou vous vous arrêtez. Encore une. Et on relâche. Parfait. Vous partez de là. Flexion, extension, les cercles. On revient. Niveau 1. Pompe sur les genoux. Niveau 2. Pompe. J'ai entendu. Niveau 3. 8, 10, 12 ou 15 répètes. Allez. 3, 2, 1. Go. Ça fait 10. La dernière. Top. Bloqué. Placez-vous, les épaules au-dessus des mains. Vous rappelez, si vous êtes au niveau 1 débutant, sur le dos, vous faites pédaler les jambes. Niveau 2, sans impact, flexion de hanche. Niveau 3, en rythme. 3, 2, 1, go. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Ouh, soit vous avez la tête au sol, les mains sous les fesses, ouverture, fermeture de jambes. Soit vous avez les mains derrière la tête, vous dissociez les jambes et les abdos ensuite. Soit vous associez les deux. Allez, c'est parti, go. Ah, c'est bien de sentir l'engagement, c'est bien de sentir que ça travaille. Mais c'est surtout bien de sentir que c'est nous qui avons le contrôle sur l'action. On ne lance pas, c'est ça. Ajustez le mouvement, pilotez-le jusqu'au bout. Allez, 5, 4, 3, grande inspiration. Soufflez. C'est reparti, on se remet debout. Placez-vous et rappelez-vous, soit de face, soit déplacement à droite et à gauche, soit en cadence. 3, 2, 1, et go. Ça fait 10. Allez, soyez déjà fiers de vous là. 17, 18, 19. Et on reste actif si vous pouvez. Voilà, relâchez bien les bras, les épaules. Et expirez, ça fait déjà deux routines. Hein. Là, ça shoot de la calorie. Voilà. 5, 4, 3, 2, 1. Ah. Cool. Alors maintenant que vous êtes déjà familiarisé sur deux routines complètes, ce que l'on va essayer de faire, c'est la routine. Alors je vous laisse plus de récup. Hein. Ne vous inquiétez pas, mais sans les ruptures, c'est-à-dire que je vous annonce l'exercice avant et dès qu'on est à la fin du décompte, on enchaîne sur l'exercice suivant, si vous le pouvez. D'accord ? C'est des petites transitions, mais c'est ce qui va nous permettre de booster justement au niveau du cardio, si vous êtes suffisamment à l'aise pour le faire, et puis aller chercher un petit peu plus justement le travail des conditions physiques et shooter des calories. Allez, restez actifs. Après, le challenge, il n'est pas dans le rythme, il n'est pas dans l'enchaînement. Si vous avez besoin à la maison d'y aller plus cool, vous y allez plus cool. Par contre, même en allant plus cool, essayez de suivre justement les fragments d'exercice. Comme ça permet d'accrocher le même travail, les mêmes séquences, quel que soit votre niveau. Allez, je vous invite à poser. Sortez la poitrine, ouvrez les bras, inspirez. Prenez le temps d'étirer la respiration, même si vous êtes en dette d'oxygène. Tirez l'oxygène, vous l'avez suffisamment dans le corps. Rassurez-vous avec ça. Et soufflez. Ah, c'est dur hein, de se faire mal. C'est difficile, il y a un engagement. Il faut que là, vraiment, vous arriviez à savoir que vous avez déjà la capacité, quel que soit le niveau, vous avez la capacité. La capacité, par contre,
n'empêche pas le contrôle, et ça, c'est primordial. Soufflez. Et ne vous arrêtez pas justement à la peur ou à la crainte. Tout ça, ça fait partie. C'est toutes les choses de la vie. Elles sont fondées sur le même moule. La contrainte, le stress, les barrières. Et ben non, nous, on va passer outre tout ça. Allez, c'est reparti. On est une team. Et une team, ça avance ensemble. Ça laisse personne sur le côté. On est plus de 200 à bosser. Hein. Allez, départ dans 10. Donc, soit le dégager côté, soit en flexion si vous voulez chercher un peu la force, soit squat, jack, soit l'enchaînement des deux en dynamique. 3, 2, 1, c'est parti, go. Soignez bien la position. Hein. Ne laissez pas les genoux glisser en avant. Ça peut vite nous échapper. Et il suffit d'un seul et mauvais mouvement pour que tout dérape. Donc gardez le contrôle technique. Ça fait plus de 10. 13. 15e. 16. Il en reste 2. Rappelez-vous la suite, les fentes. 3, 2, 1, go. Allez, je sais que c'est propre que vous faites. Je sais que le travail est là. Ça fait 10. Vous pouvez vous arrêter. 6, 5, 4, 3. La marche ou le jog. Go. Allez, athlétique. Et tirez sur les bras. Tirez, 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 tirez. Oui. Encore. Allez, levez, 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 levez. Subissez pas. Au pire, vous ralentissez un peu, mais ne subissez pas. 10. La prochaine étape, on ramasse le sable de 3 quarts. 5, 4, 3, 2, 1, go. Faites le travail par les cuisses, non pas par le dos. Le dos, il limite, il ne bouge plus. Hein. Ça fait 10. Vous pouvez déjà vous arrêter. Encore 2. Next. Parfait. Ou avec les bras. Ou push-up. 3, 2, 1, go. Vous voyez que c'est plus facile. Oui, il y a de l'engagement. Oui, ça s'enchaîne. Mais c'est quand même plus facile que la première. Et ça va être de plus en plus facile. À chaque fois, 13, 15 et 15. On stabilise. 3, 2, 1, clear. Huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, je suis en train de faire un strip dive. Ouh là là! Allez, on part sur le dos. Tout de suite, tout de suite. Aïe, aïe, aïe. Ou les mains sur les fesses, ou on enchaîne. Allez, go. Essayez vraiment d'avoir le bon focus, la bonne contraction, pardon, entre l'intérieur des cuisses et les abdos. Allez, ça fait 15. 18, encore 2. 19. Inspirez. On rassemble. Et on part avec le travail dynamique, bras-jambes. Sur les côtés. 3, 2, 1, et go. Ça fait 10. Sept, 18, 19, et on reste actif. Ou en marchant, ou en pas côté, mais reste actif. Oh, que c'est bon, c'est bon, c'est bon. À ce moment-là, j'aimerais bien connaître votre ressenti. Vous êtes dans le mur, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes mieux que sur la première? Je suis sûr que vous êtes mieux. L'engagement, c'est sûr qu'il y a un travail. C'est indéniable. Mais dans la gestion globale de l'effort, je suis sûr que vous êtes plus fort. 5, 4, 3, 2, relax. Alors, je vais annoncer 3.
Je vais déborder un peu. S'il y en a qui veulent s'arrêter là, arrêtez-vous là. Vous en avez déjà fait 3 et c'est top. La quatrième, c'est bonus. C'est optionnel, c'est pas une obligation. Le challenge, vous l'avez réussi. Hein. Beaucoup mieux que sur la première, nous dit Marjorie. C'est bien, Marjorie. De mieux en mieux, Chris. Parfait. Claire, parfait. Hélène, top. Alors, si c'est dur pour les genoux, prenez les options cool. Hein. C'est pour ça que je m'efforce à vous donner des options. En espérant bien sûr que dans toutes les options, il y en a une qui vous convienne, mais ne prenez pas de risque. Ah, je vais marcher un peu, sinon ça va me couper les jambes. Allez, ma team de cœur. Notre challenge. We are athlètes. Vous êtes prêts? Allez, celui-là, il est pour le fun, il est pour l'esprit d'équipe. Et pour l'émulation, go! On se remet en actif. Je ne vous donne pas de conseil, hein. Zéro conseil. Vous commencez ce soir, vous en avez déjà fait 3. Pour moi, c'est parfait. Allez, si vous pouvez, on respire 2 fois. Encore une fois, switchez la pensée. Vous allez vous surprendre. Vivez vraiment ce travail interne. Il y a une petite voix interne. J'en parle beaucoup de cette petite voix. Elle est toujours dans le combat. Non, t'es pas capable. Non, t'es fatigué. Non, c'est trop dur. Ah, oh, tu vas pas y arriver. Mais prenez le dessus sur cette voix. Départ dans 5, 4, 3, 2, 1, go. Quoi, ce serait cette voix qui déciderait pour nous. On est suffisamment grand d'abord. Allez, ça fait 10. Allez, c'est peut-être le passage délicat, c'est celui-là. On sait que c'est dur, on sait que ça fait mal. Et alors, on va s'y confronter, on va le dépasser ce moment. C'est la plus grosse ascension qu'on va devoir à faire. 3, 2, 1, et go. Allez, on avale des kilomètres. Le dénivelé ne nous fait pas peur. Ça fait 10. Encore 4, 3, 2. La marche ou le jog. Go. Relancez. Tirez sur les bras. Votre objectif, il est loin devant vous là-bas. Vous êtes en pleine ascension. Allez. Ça fait mal un peu. Ok. On absorbe. Mais attention, faire la différence, ça fait mal un peu et j'ai la capacité à gérer ou j'ai pas le contrôle, je me mets dans un effort, je suis pas capable d'assumer, dans ce cas-là, c'est dangereux. Donc, gérez bien de quelle difficulté on parle. 8. Rappelez-vous le ramassage de sable. 3, 2, 1, go. Allez, pensez qu'il y a une chose. Respirez, soufflez et vous détachez de l'instant. Allez, ça fait 10. Il en reste 5. Vous êtes inarrêtable. 3, 2, et next, c'est parti des pompes. 3, 2, 1, go. Pensez à bien garder les coudes dans leur départ arrière. Serrez les abdos, lâchez pas le périnée. Ça fait 10. La dernière, stabilisez, réajustez. Inspirez et go. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On l'a fini le job. Hein. On l'a fini le job. Allez, optez pour la bonne option. Ne négligez pas les amplitudes. Du moment où elles sont sous contrôle musculaire, si la traction elle reste bien placée, alors vous allez être encore plus fort.
5. On est à la fin. Free time. 2, 1. Inspirez. Checkez les abdos. Allez, avec les bras. 3, 2, 1. Et go. On est fort. On l'a dompté, cette petite voile. Pour une fois, peut-être qu'elle n'a pas eu le dessus. Je parle pour moi. Elle m'a pas rattrapé. Elle m'a pas mis des barrières. Allez, 4, 3, 2. En actif, je reste actif. 10 secondes. On l'a fait, les amis. 7, 6, 5, 4, 3. Je suis fier de moi. 2, 1. Check. Parfait. Ami Facebook, ami YouTube, que vous soyez les mêmes ou non, je suis très, très fier de vous. Allez, on va partir sur le stretch. Donc là, c'est du hit. Hein. 30 minutes comme ça, on est sur de la haute intensité. Alors, théoriquement, je préconise pas le stretch derrière. Mais là, c'est pas grave. On va être dans une quête de détente, de relâchement. Donc, c'est pas gênant. Si vous manquez de souplesse, prenez une brique de yoga, prenez un dictionnaire, prenez une serviette, prenez un tapis, roulez votre tapis et venez peut-être poser les fesses dessus. Allez, ce que vous allez faire, c'est si vous voulez bien, tendez la jambe gauche devant et pliez votre cuisse droite à 90 degrés. Vous manquez de souplesse, donc la première chose, effectivement, c'est de rehausser l'assise. Et dans ce cas-là, mettez plutôt la jambe ici, en orientant la semelle vers la cuisse. Allez, vous avez le choix. J'aimerais tellement pouvoir échanger là, tout de suite maintenant en live avec vous. Quel est votre ressenti? Comment vous l'avez vécu? Où vous avez jugé la difficulté? Est-ce qu'il y a eu des moments de doute? Est-ce que vous êtes passé au-dessus? Vous avez survolé? Tout ça, ça serait tellement important pour moi en termes de coaching. Allez, vous gardez bien les épaules orientées vers la jambe. Vous venez placer les mains sur le sol et prenez de la hauteur. Inspirez. Et en fonction de l'expiration, vous allez, si vous pouvez, descendre d'un ou deux centimètres, mais en restant bien placé sur le dos. N'arrondissez pas, ne relâchez pas. Inspirez. Et pareil, un petit centimètre ou deux petits centimètres en plus, si vous pouvez. Inspirez. Gardez la position. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est juste orienter les orteils vers le visage, que les orteils vous regardent, que vous dominez bien la posture avec le dos et vous ayez bien ce fil au-dessus de la tête qui vous emmène vers le haut et vers l'avant. Les doigts, c'est pour du confort. Alors. Good. Parfait, revenez le dos droit, inspirez. Et sans pour autant aller chercher à attraper le pied, on s'en moque. Relâchez simplement la tête, les épaules. Si vous êtes à ce niveau-là, c'est déjà très bien. Amortissez bien avec les mains. Et seulement, si vous pouvez vous le permettre, vous descendez vers l'avant. Parfait. À l'aide des mains, vous allez prendre appui sur les mains et en poussant sur les mains, vous allez soulager votre dos. Peu à peu, revenez. Cool. Très bien. Maintenant, vous avez deux possibilités là encore. Je commence pour une fois par l'option difficile. Vous restez dans cette position-là. Si vous n'avez pas de problème de dos, vous allez vous pencher en arrière. Prenez appui sur le coude et faites avancer votre hanche pour étirer le quadril et un petit peu le psoas. Voilà. Ça, c'est l'option si vous avez zéro problème au niveau du dos. Si vous avez le dos plus ou moins sensible dans ce cas-là, de la même position, vous descendez ici sur le côté, vous attrapez le pied supérieur dans la main, vous venez vous coucher sur le côté et vous tirez votre genou en arrière. Et si vous êtes très souple, vous posez le pied par terre et même chose, vous faites avancer votre bassin en avant. Donc le genou, lui, il a plutôt tendance à reculer et votre bassin, il a plutôt tendance à avancer. Ce qui vous permet de faire l'opposition des segments. Alors si vous êtes dans cette position-là et que vous n'avez pas de problème de dos, c'est très bien. Mais attention à ne pas cambrer. Hein. Ne faites pas ça, je ne sais pas si ça va se voir. Le truc à ne pas faire, c'est ça. Hein. C'est rester placé et juste avancer bien la hanche, mais sans que ça excessivement. Et bon, c'est une bonne suée.
Parfait, inspirez. Essayez de souffler. En soufflant, essayez de couper les résistances. Essayez de comprendre les postures. Vous jouez juste sur la mobilité articulaire. Vous jouez sur les saignements, ce qui permettra de faciliter l'étirement. Parfait. Vous revenez tout doucement. Vous relâchez le pied. Vous faites revenir la jambe. Cette même jambe, celle qui revient de l'arrière, vous la faites passer par-dessus l'autre jambe. Ensuite, le bras droit vous perd. La main gauche à l'extérieur du genou droit. L'oreille sur la droite. Et de façon très chill, vous prenez la hauteur et vous vous tournez. Ça fait du bien l'enchaînement là, des séances. Hein. On essaie de diversifier au maximum les contenus. Ça nous permet de nous apporter des choses un petit peu différentes aussi. C'est très bien. Parfait. Ce que vous allez faire, vous revenez de face. Vous gardez la position des jambes. Cette fois, c'est la main gauche que vous déposez au sol. Le bras droit au-dessus de la tête. Vous allez vous incliner vers le bras qui se situe au sol. Donc, vous descendez en arc de cercle. Vous essayez de faire un bel arc de cercle ici pour étirer la chaîne costale, la taille. Et vous essayez de pousser la hanche en opposition. Si vous partez sur votre gauche, essayez de placer votre hanche vers la droite. Parfait. Revenez avec le bras inspiré. Relâchez. Soulagez les jambes et reprenez l'autre côté si vous pouvez. Donc, jambe droite tendue devant. Je me permets. J'ai commis l'erreur, il fut un temps de ne pas suffisamment m'hydrater et de connaître la tendinopathie. Ça m'a bien soigné. Hein. 7 ans de tendinopathie, je n'arrivais pas à traiter. Ça vous apprend des choses. Allez, soit vous partez avec la cuisse perpendiculaire, soit vous fléchissez la jambe et vous revenez avec la semelle contre la cuisse. Stabilisez bien. Placez-vous et penchez-vous en avant. Voilà. Prenez le temps de descendre 1 ou 2 cm, mais encore une fois, contenez la posture de droit. Bon, tout ce que je vous dis, ce n'est pas pour vous donner des conseils, parce que j'ai zéro conseil à vous donner. Je vous accompagne simplement sur une petite expertise. Mais voilà, boire, c'est hyper important. C'est pour ça que je vous force à boire pendant les séances, même si on n'a pas soif. C'est très important. Ça, c'est la première chose. Et je ne parle pas des étirements. Je fais rarement des étirements après la séance. Ça ne veut pas dire que je ne m'étire pas. En réalité, je m'assouplis à distance. Mais je ne fais pas forcément les étirements à chaud. Ça peut entretenir certaines lésions. Ça dépend de l'intensité de la séance. Pour ça, vous me voyez rarement me faire faire des séances de stretch après les séances. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'assouplir. On doit s'assouplir à distance, modérément, mais il faut le faire. Parfait, inspirez. Descendez un petit peu plus bas si vous le pouvez encore. Inspirez encore une fois. Et cette fois, c'est les orteils que vous orientez vers le visage, comme si les orteils vous regardaient. Allez, revenez peu à peu avec les bras. Encore une fois, descendez tout doucement. Si vous pouvez, si vous ne pouvez pas, vous écartez les bras, vous laissez aller. Très bien, vous reprenez l'appui sur les mains, vous déroulez à nouveau le dos. Rappelez-vous, soit vous n'avez pas de problème de dos, vous pouvez vous placer sur le coude et avancer bien la hanche, soit vous avez des petits soucis au niveau du dos, dans ce cas-là, vous mettez bien sur le côté, la main sur la tête, vous attrapez le pied supérieur, vous tirez le genou vers l'arrière, étape 1, si vous avez suffisamment d'aisance, étape 2, vous déposez le pied sur le sol, vous stabilisez la cuisse, le genou, lui, il a tendance à partir en arrière, et dans ce cas-là, vous orientez un peu plus la hanche vers l'avant. C'est là où c'est important, c'est là où vous devez couper les résistances. Si vous forcez, il y a une tension musculaire qui n'est pas bonne. Première chose, c'est couper le moteur, laisser le muscle se détendre et ensuite vous travaillez juste sur l'opposition des segments. Là, l'idée, c'est de fixer le genou et de sentir que modérément, vous faites avancer la hanche. Il n'y a plus de tension musculaire, donc le muscle va pouvoir s'étirer.
Alors, encore 5 petites secondes. Parfait, prenez le temps de revenir. Revenez peu à peu, faites revenir la jambe. Croisez la jambe par-dessus l'autre. Ensuite, vous tournez les épaules vers la gauche. Vous placez votre main droite à l'extérieur de votre genou gauche. Votre main gauche, vous la déposez loin derrière. Encore une fois, très droit, très grand. On pivote et on tourne. Je suis en mode performance ce soir. J'ai arrêté de parler pendant au moins 15 secondes. Je suis même pas sûr que vous avez relevé le truc, mais... Allez, venez tout doucement, déposez la main droite sur le sol, placez le bras gauche au-dessus de la tête. Encore une fois, dessinez-moi si possible un joli arc de cercle et tirez la chaîne costale de la taille. Fléchissez un petit peu le bras d'appui si vous pouvez. Et ensuite, votre hanche, vous la déportez de l'autre côté, vers la gauche. J'arrête pas de me le dire. Mettez-toi pendant les séances. Arrête de les fatiguer. Arrête de les saouler. Mais j'arrive pas. Je vous jure que j'arrive pas. Alors après tout, je me suis dit. Allez, revenez peu à peu. Parfait. On va finir par un tout petit peu de respiration si vous voulez bien. Vous allez d'abord vous placer en position pose de l'enfant sur les genoux, les bras loin devant. Si vous ne pouvez pas, vous vous asseyez sur les fesses. Vous tendez les deux jambes. Voilà, vous pouvez relâcher la tête, les épaules, et seulement si vous êtes à l'aise, vous allez chercher avec les deux bras vers l'avant. Très bien. Que vous soyez sur les genoux ou sur les fesses, c'est pareil, c'est le même travail. Vous revenez tout doucement, vous déroulez le dos, vertèbre par vertèbre, vous placez les mains dans la tête, vous tirez le coude en arrière, vous inspirez par le nez, et si vous avez la cage thoracique, grandissez-vous. Puis, sans appuyer, vous enroulez la tête, les cervicales, les vertèbres dorsales, les vertèbres lombaires. Vous relâchez les bras, vous prenez avec les mains sur le sol. Vous glissez peu à peu. Et encore une fois, sans forcer, sans à-coups, vous allez le plus loin possible, selon vos capacités. Puis, vous revenez encore une fois. Vous rejouez de la mobilité vertébrale. On prend le temps, on déroule le dos. On revient, on revient, on revient. On replace les mains, on inspire. Et tirez. Enroulez, décompressez. Relâchez les mains dernière fois. Allez chercher loin devant. Je vous laisse glisser. Lorsque vous êtes au bout de l'expiration, revenez, prenez bien appui, remontez peu à peu. Revenez une fois encore ici, replacez les mains. Tirez les coudes à l'arrière. Il est 45. Je voudrais quand même qu'on finisse par deux petites respirations si ça ne vous dérange pas. Enfin, c'est une même et unique respiration d'ailleurs. Relâchez les bras, soufflez bien. Vous pouvez fermer les yeux. Ce que je vais vous demander, ça va être d'inspirer par un. Voilà, faites petit palier. Stabilisez. Décompressez. Stop. Arrêtez-vous même si vous n'êtes pas arrivé au bout. Maintenant, vous inspirez de façon fluide. Inspirez. Étirez. Et inversement, vous êtes décompressé par étapes. Stop, bloqué. Remontez et inspirez de façon fluide. Décompressez maintenant d'une traite jusqu'au bout. On fait ça une fois, inspirez longuement. Oxygénez l'esprit. Oxygénez le corps. Étirez. Là, il n'y a qu'une pensée positive de fierté, d'engagement. Décompressez, relâchez et soufflez. Parfait, merci infiniment. Demain soir, booster athlétique avec une particularité. Je l'avais fait une fois au premier confinement. Il nous faudra un marquage au sol. Alors plutôt un bout de scotch de couleur si vous avez, pour ne pas vous faire mal, que ce ne soit pas un obstacle au risque de vous prendre les pieds. Donc un bout de scotch de 1 mètre, 20, 30, peu importe. Mais si vous pouviez avoir ça pour demain soir, ça serait canon. Merci infiniment. Très bonne soirée à tous. Reposez-vous bien et on se retrouve très vite. Salut tout le monde.